avec mes clés qui se baladent. Y'a quelques pièces qu'on suit en rade. Et quand une mélodie m'accroche, je griffonne des noirs et des croches. Je suis un chanteur à casquette en velours côtelé marron, originaire de la Creuse. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai toutes mes racines, ma famille, mes amis d'enfance. Donc forcément, revenir là, pile à la sortie du deuxième album, ça va être un grand moment, je pense, d'émotion pour moi, de partage avec les gens. C'est extraordinaire, je pense que c'est un beau cadeau qu'il nous fait en tout cas. C'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui est passé à l'Olympia qui vient jouer à Noël Palestel, c'est certain. C'est important d'avoir un jeune comme ça, issu du pays, et puis qui a un répertoire qui tient la route. L'art est pourtant un beau nom, ma commune des nains beaux mots, mais vu la haine sur ses visages, moi je déménage. Toi tu connais pas les horaires, et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Et c'est aussi pour ça que j'avais écrit Les Oubliés, c'était pour essayer de défendre aussi ces campagnes-là qui souffrent parfois d'un sentiment effectivement d'abandon ou de manque de considération alors que c'est des endroits magnifiques. On est les oubliés, la campagne est paumée, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. L'école qui ferme, c'est vrai que c'est souvent ça fait effet boule de neige pardon, avec plein d'autres services publics et c'est après le petit café, c'est la gare qui sera moins desservie, c'est la vie d'un village qui meurt un petit peu à petit feu. Merci d'être creusois. Et merci à vous pour cette soirée. Dans ma bras.